Gukolo, prise à deux. Ouh, il s'en sort bien. Ouais, qui heurte la tranche. Vous avez vu Pike James comme il a défendu sur cette action. Qui est peut-être, ça finit, il réussit à contrôler ce ballon-là. Il a réclamé en haut. C'est pas un bon système annoncé, ça? Ouais, si. Il a tous les systèmes en tête, surtout le sien. Je shoote. Warren, le flotteur, magnifique, il est passé. Celui-là, il va faire du bien dans sa tête. Ça va être compliqué sans Montao, là. De le contester sur ce match-là, j'ai l'impression. Voilà, qu'est-ce qu'il est fort. James. Qu'est-ce qu'il est fort, il joue en marchant. Hein. Ouais, ah, parce que là, il va commencer à s'épuiser un moment. Ouais. C'est Jonas. Super, Ben Wan. Une fois qu'il a récupéré ce ballon-là et que les appuis ont été plantés dans le parquet de Gaston Médecin, c'était impossible. Et tout est bon, hein. Regardez la passe. La qualité de la passe de Mike James, millimétrée. D'avoir subi une faute sur cette action-là. Une 16 à jouer déjà dans ce premier carton. Allez, le dunk. Voilà qui va peut-être remettre un coup de jus, il est monté. Champion, il en a un paquet, on vous en parlera juste après, Enzoli. Il gagne trop tard. Schwartz, va falloir dégainer, il reste 2 secondes. Et c'est dégainé, voilà. C'est dedans. Eh bien, vous avez vu, il m'a entendu, Schwartz. Que Pigiste Médical, on le disait, 4 fois champion de Belgique, 3 coupes de Belgique à son actif. Champion en titre avec Oster. Il va prendre les choses en main, de toute façon, il va falloir à un moment donné. Regardez l'agressivité, ah ouais, côté Orléanais. Ils sont dans le game, les Orléanais, même si là. Mais le talent, ils peuvent accélérer d'un moment à l'autre, et là. Il va falloir quand même, il y a 8 points. Et là, ça va être compliqué. Dwayne Bacon, c'est le match piège par excellence, c'est fort ça. Dwayne Bacon. Avec Dwayne Bacon. Il y a un mismatch là. Bon, Mike James va-t-il se réveiller? Ah, le petit coup d'épaule, c'est fort ça de Mike James. Pour empêcher les Orléanais de marquer trop de paniers faciles, comme on l'a vu notamment. Je pense que c'est l'idée, en tout cas dans le deuxième quart-temps, de jouer plus dur, évidemment. C'est clair. Oh, c'est fort. Que c'est fort. Ce shoot à 3 points, catch and shoot. Il est très très lourd ce shoot-là, à 45 degrés. Mike James, la skip passe pour aller chercher à l'opposé. L'agressivité de Ouattara. Magnifique, magnifique. Ah, super, petit Warren qui slash la défense monégasque encore une fois. Il profite du manque de défense de Mike James. Il le prend en vitie du côté orléanais. Dans le corner, c'est court. Le rebond autoritaire. Dendoy, elle n'était pas simple à contrôler cette balle-là. En tout cas, le système, c'était exactement. Warren à 3 points, Fred, c'est monstrueux. Ah, c'est monstrueux. Mais même sur ce panier-là, hein. Là, c'est bien joué. Ça, c'est bien joué, c'est bien construit. Mike James qui attire la défense. Il trouve Will Thomas. Et vous avez vu, hein. Lui, il va devoir monter le son. Lui, il va devoir se montrer très, très clutch sur ces deux cartons à venir. Motié Jounas. Le duel se poursuit entre les deux big men. La main droite de Motié Jounas. Finir premier reste un avantage, forcément. C'est fort, ça, Motié Jounas. Il a du mal à contrôler le ballon, mais finalement, la il finir, c'est lui. Il n'en avait perdu que deux à la mi-temps. Hein. Les Orléanais. Mike James. À 3 points, le hangtime était fort. Et voilà. Il a poussé sur les jambes, tête de raquette, ça fait ficelle. Ah, série en cours, 9-0. Début de troisième carton monstrueux de la Roca Team. Oh, le contre de Motié Jounas. Ouais, le Lituanien en attaque, en défense. Mike James pour enchaîner, évidemment que Mike James est en route dans ce match. Ça y est, c'est deux shoots à 3 points. Ouais. La mi-temps leur a fait beaucoup de bien. Nils Wendoy qui décale ses appuis. Ballon raté par Dwayne Bacon. Vous avez vu, hein. Petit coup d'accélérateur et c'est fini. Terminé. 3 minutes. Page avec Chris Warren qui dégaine. Est-ce que c'est précipité? Non. Face à des gros cylindrés de la Belgique Elite. Dwayne Bacon. Le taf de Bacon, il a le mismatch. Oh là là. Il a vu personne. Il se retourne. Il y a pourtant Nils Wendoy qui arrive. Ce shoot-là. Elle meurt. Dans le corner, ils sont trop forts à 3 points. Ils sont appliqués comme jamais. Warren. Encore ce corner. Je crois qu'ils le tiennent très bien. Ils le tiennent bien. Je crois qu'ils le tiennent très très bien, ce mouvement offensif là. L'adresse longue distance. Les Monégasques à 4 sur 18. Oh là là, le gros shoot. Qu'est-ce qu'il est fort celui-là. Pas sur ce qu'on voit, en tout cas, ça serait un hold-up de voir Monaco gagner ce match là. La super passe de Will Thomas. Et le cercle atomisé par Falfay. Mais pas que aussi, hein, dans l'énergie, ça manque un peu d'énergie aussi côté Monégasque. Ah bah là on a de l'énergie Westerman qui va aller finir main gauche. Ça c'est bien, ça c'est très un bon panier. Très bonne reprise de troisième carton des Monégasques. Les absents côté Orléanais sur ce match. Ballon ressorti. Ça c'est 3 points. Djuzic à 3 points cette fois-ci. Le catch and shoot est parfait. Catch and shoot, dès qu'il n'a pas besoin de dribbler, il est très bon et surtout il agresse le meneur, c'est un pivot. Bongo Kolo. N1 pour Bongo Kolo.
Magnifique, il a décalé ses appuis, l'angle était compliqué. Mais le shoot avec la planche était fort des Monégasques, Falfaye. Il peut prendre des shoots à 3 points, mais là, ouais, là il hésite, hein, c'est normal. Ouais, Bungo Kolo qui est revenu rapidement. Regardez comment ça défend bien. Osterman, 3 secondes. Osterman qui s'élève et qui met oh, dedans. Le shoot. Que c'est fort. Ouais, il répond présent. Ah, il faut du mouvement, il faut plus de mouvement. Il a failli faire ses appuis, le con. Il a été bâché sévère. Endoy va devoir se remettre au taf. Ouh, la passe est mauvaise, c'est mal ressorti, c'est bien joué. Et on rejoue sur Endoy, sur un pied. Oh, il est fort. 10 points comblés pour la Roca Team. Westerman. Ouh, la pump fake, elle est monstrueuse. Et le shoot. Mike James. Oh, c'est bien joué ça. C'est très bien joué. Est-ce que c'est bien défendu? Je ne sais pas. Chris Warren. Oh, le compte de Motier Judas du bout de la main gauche. Aspirateur à rebond, Motier Judas. Le sens du placement. Oh, c'est fort aussi ça. Oh, le trip dans le dos de Bacon, il est court et Westerman. Pourtant, magnifique aspiration. La bonne défense hein, de Pace pour contre. Mike James, il a jeté un œil au chrono. Il a drivé et il a scoré pour le N1. Mike James en gestionnaire. Sur ce coup-là, il les a gérés comme il faut. Les Orléanais. Je suis désolé, ils n'accordent pas celui-là. Mike James. Il est par contre lui aussi, il avait envie de le prendre. Wayne Bacon. Mungo Kolo qui va contester jusqu'au bout. Il le tient bien ce shoot-là depuis le début du match, il est injouable. Ça sera très compliqué à appréhender pour les Orléanais. En tout cas, on a un vrai thriller, hein. Hitchcockien ici. Mike James, c'est trop chaud. Il est beaucoup trop fort, on l'a dit tout à l'heure. À Gaston Médecin, ils sont en train de prendre cher. Dwayne Bacon, le ballon dans le corner. Andjusic, l'assassin, s'il le met. Évidemment. Peut-être décisif dans ce match, Fred. Bah, ils sont en train de souffrir physiquement, tout simplement, on le voit. Hein. C'est un pur bonheur et un régal de le voir évoluer dans notre Betclic. Allez, Orléans, il faut faire un push maintenant. Il faut relever la tête. Il faut trouver une solution comme ils l'ont fait depuis le début du match. Elle meurt. Superbe. Dans cette dernière minute de ce match. C'est assez vite normalement. Oh, Mike James. Oh, Mike James. Faut d'antisportif. Et l'antisportif, évidemment, Mike James, qui n'a pas plaisanté. Attention à Djusic aussi. Mike James face à Chris Warren. C'est monstrueux s'il le met. Voilà. C'est monstrueux. Il est trop fort. Il est beaucoup trop fort, Mike James. C'est trop simple, les lancers francs pour lui, il préfère les shoots à 3 points. Exactement. Alors Endoy, tranquille, qui vient dunker. Il a battu Milan quasiment à lui seul. C'est un effort collectif évidemment. Les Orléanais ont lâché prise. Victoire des Monégasques. La 18e cette saison, Fred. Ça ressemble à un hold-up